C'est une question encore taboue que soulève notre magazine ce mois-ci. Quelle place pour la religion dans l'entreprise? Interdit alimentaire, port du voile ou de la kippa, fête religieuse, prière dans les ateliers. Quand la religion s'invite au bureau, c'est le thème de ce nouveau Tombé du ciel, enregistré depuis le Conseil économique et social, l'institution qui en France rassemble tous les acteurs du monde du travail. Notre invité est Patrick Bannon. Les plus grands groupes font appel à lui en toute discrétion pour régler les conflits avec des salariés croyants. Sa méthode, le compromis. En France, les questions religieuses sont de plus en plus présentes dans le monde du travail. Patrick Bannon est conseiller de grands groupes industriels français. Ses livres sont de véritables modes d'emploi de la gestion de la diversité religieuse dans les entreprises, des sociétés souvent désorientées par les demandes de leurs salariés. Patrick Bannon, pourquoi y a-t-il de plus en plus de revendications à caractère religieux ou au nom de la diversité culturelle dans les entreprises? Tout simplement parce que nous vivons une véritable mondialisation, une révolution, une mondialisation culturelle, c'est-à-dire la libre circulation des individus, la libre circulation des idées, des cultes, et puis surtout l'installation durable d'environ 200 millions de personnes par an qui voyagent librement à travers le monde. Donc naturellement, les cultures voyagent, les idées voyagent, et maintenant nous sommes dans un monde où la diversité des cultures, la diversité des religions doit apprendre à cohabiter sur une terre désormais partagée. Comment les entreprises qui font appel, parfois à vous, réagissent? Est-ce qu'elles sont un peu tétanisées face à ces revendications? Est-ce que les dirigeants peuvent craindre d'être accusés de créer de la discrimination s'ils ne répondent pas à ces revendications religieuses? Les vraies inquiétudes des responsables d'entreprise ou des cadres, ou même de tous les collaborateurs, c'est de ne pas créer de discrimination. Personne ne veut stigmatiser les uns ou les autres, personne n'a envie de créer une inégalité de droit, ça c'est certain. La France a cette spécificité, c'est la laïcité, l'autre spécificité c'est l'indivisibilité de la nation et du peuple. Donc la France, le peuple français forme un ensemble qui n'est pas mesuré sur ses croyances, sur sa couleur de peau ou sur ses origines géographiques. Donc c'est dans cette idée-là, dans cette éthique-là, que les entreprises veulent gérer la diversité. Mais bien sûr, ce n'est pas facile du tout. Est-ce que ça veut dire que, par exemple, que les entreprises ont tendance à tolérer des revendications, des demandes, des exigences de certains de leurs salariés qu'elles ne devraient pas? Non, je ne crois pas qu'elles tolèrent trop. Mais elles peuvent être amenées à créer des situations d'auto-exclusion, des situations d'exclusion. Elles peuvent créer des inégalités de traitement de leurs salariés. Elles peuvent créer des situations où les salariés se séparent les uns des autres, alors que la priorité d'une entreprise, l'entreprise, c'est quand même un objectif collectif, c'est un effort collectif. Donc la clé de l'entreprise, c'est la cohésion sociale. Donc toute menace à cette cohésion sociale doit être adressée avec la plus grande fermeté, c'est sûr. Alors c'est quoi la menace à la cohésion sociale? Est-ce que par exemple une entreprise doit, selon vous, servir dans son restaurant des plats halal ou kasher? Les interdits alimentaires existent dans toutes les croyances, existent dans toutes les cultures. Ce n'est pas spécifique à l'islam du tout. À l'origine, les interdits alimentaires sont même fondateurs de la société. C'est grâce aux interdits alimentaires qu'a existé l'exogamie, qu'a existé l'interdiction de l'inceste. En fin de compte, c'était une façon de fédérer un groupe. Bien. Mais sur une terre, dans la mondialisation aujourd'hui, la coexistence ou la cohabitation des interdits nécessite non pas de sacraliser l'alimentation, mais de donner des choix. Le danger n'est pas que quelqu'un mange halal ou pas halal, ou kasher ou pas kasher. Le danger, c'est que la personne, pour s'alimenter religieusement, se sépare d'autres. Et qu'on se retrouve dans des situations que j'ai connues, où il y avait des tables pour les musulmans et des tables pour les non-musulmans. Prenons un autre exemple, celui des tenues vestimentaires. Là encore, est-ce que l'entreprise doit tolérer que chacun s'habille selon les prescriptions de sa religion? L'entreprise ne peut pas interdire, par exemple, le port du foulard.
Néanmoins, il y a des situations spécifiques où le foulard n'est pas, ou le voile, ou la barbe très longue ne sont pas compatibles avec le fonctionnement de l'entreprise. C'est-à-dire des raisons d'hygiène, des raisons de sécurité, mais aussi peut-être quelquefois des raisons d'objectif de l'entreprise. C'est vrai qu'il n'y a pas de possibilité pour l'entreprise ou de droit de l'entreprise à interdire un symbole religieux, mais par contre, il y a aussi l'obligation du salarié d'accepter la médiation, c'est-à-dire d'accepter d'adapter son attente à l'entreprise. Donc si l'entreprise propose à une personne de ne pas porter son foulard, par exemple, mais de porter un bonnet qui soit plus anonyme, plus neutre dans sa démarche, logiquement, le collaborateur ferait mieux de l'accepter. Est-ce que vous conseillez ou vous recommandez aux entreprises, par exemple, d'accepter qu'il y ait des lieux de prière? Alors, ça a été un débat. Cette question m'a été posée dans de nombreuses entreprises. Je crois que l'entreprise n'a pas vocation à offrir des espaces de prière, en tout cas ni des mini-mosquées, ni des mini-temples, ni des mini-chapelles, ni des mini-hôtels de sacrifice. Néanmoins, et ce qui serait peut-être plus en cohérence avec la pensée de la laïcité, la pensée française de la laïcité et la démocratie, c'est de créer des espaces de ressourcement, c'est-à-dire des espaces qui seraient partagés par tous, où les uns peuvent prier, où d'autres peuvent faire la sieste, ou simplement méditer, mais à ce moment-là, nous sommes dans un espace partagé. Ce qui est gênant avec l'idée de créer des espaces de prière, quelle que soit la religion, c'est de créer des espaces de séparation dans l'entreprise. Alors, je vous propose, Patrick Bannon, d'inverser la proposition. On a vu les revendications religieuses ou spirituelles des salariés, et maintenant, si ce sont les entreprises qui défendaient et qui prenaient, elles, des valeurs spirituelles. Nadia Hajbouzian a enquêté dans deux entreprises. Regardez son reportage. Patrick Bannon, est-ce qu'on va voir de plus en plus ce type d'entreprise en France, très communautaire finalement? Dans un sens, j'espère que non, et dans l'autre, je l'espère. Ah tout bon dépend de la façon dont ces entreprises vont être organisées. Les entreprises de tendance, c'est ce qu'on appelle en gros des entreprises de tendance, c'est-à-dire des entreprises qui sont mobilisées autour d'une pensée philosophique, mais qui en même temps ont une action commerciale identique à celle de toutes les entreprises classiques. Le vrai risque des entreprises de tendance, c'est de créer un contrat moral qui serait supérieur au contrat de travail. Exemple, parce que j'ai rencontré ces cas-là malheureusement, de femmes qui sont licenciées parce qu'elles ont divorcé et se sont remariées. Ou d'autres fois, de surveillants rituels dans une entreprise cachère qui a été licenciée parce qu'il avait commis un adultère. Donc on a, dans ce type d'entreprise, le risque de voir l'irruption de contrats moraux, de valeurs morales supérieures aux contrats de travail. Et ça peut créer des inégalités fondamentales, ça c'est évident. L'autre problème que peuvent causer ces entreprises, c'est celui à l'embauche, c'est-à-dire d'une véritable discrimination. On ne va embaucher que des personnes qui sont en conformité avec la philosophie de l'entreprise. C'est très amusant parce qu'il y a eu le cas il y a quelque temps d'un aide-sacristain dans une église qui disait « Moi, je refuse de travailler le dimanche ». Donc, vous voyez qu'on peut aller dans ces logiques-là le plus loin possible. Mais pourquoi vous dites que vous les souhaitez en même temps? Je le souhaite parce que nous sommes dans une société multiculturelle. Chacun peut exprimer sa philosophie de la manière qu'il le souhaite. La société n'a pas vocation à empêcher une personne d'exprimer sa conscience ou sa philosophie du monde. Mais elle ne peut pas l'exprimer en contradiction avec les lois de la société. Une entreprise, Patrick Bannon, doit-elle respecter le calendrier de toutes les religions et accorder des jours fériés? C'est impossible. Il y a sur Terre aujourd'hui 4000 croyances. Donc évidemment c'est impossible. Par contre, il faut rappeler à tout le monde que le seul jour férié obligatoire, c'est le 1er mai. Donc il n'y a pas de calendrier religieux officiel imposé à chacun. Et puis je crois aussi qu'il est important de rappeler que, par exemple, les lundis de Pentecôte, d'Ascension, etc., ne sont pas, eux, des jours fériés religieux. C'est le dimanche qui est le jour férié. Le lundi n'est un jour de rattrapage pour ceux qui travaillent le dimanche. C'est de la négociation, là. C'est de la négociation au cas par salariale. Cas. Ah oui.
au cas par cas. Et puis, il me semble important de rappeler que toutes les fêtes monothéistes, en tout cas, c'est-à-dire Pentecôte, Ascension, Pâques, etc., sont partagées par l'ensemble des croyances. En réalité, il y a peut-être des décalages de dates à cause des calendriers lunaires, solaires, etc., mais en soi, il n'y a pas de contradiction. Hein. Il n'est pas contradictoire pour un juif, un chrétien et un musulman de fêter Noël. Hein. À l'évidence, Jésus est un prophète dans le Coran. Donc fêter la naissance de Jésus n'est pas contradictoire avec la pensée musulmane. En quoi est-ce que, par exemple, une entreprise ne pourrait pas accepter que l'un de ses employés ne serre pas, par exemple, la main des femmes ? Cette question fait partie de la problématique du voile intégral. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des codes de société et est-ce que ces codes de société peuvent être rompus pour des questions de conviction personnelle. À l'évidence, non. Pourquoi ? Non, parce que l'entreprise notamment, mais la société en général, est construite sur une conversation avec l'autre, hein, sur une reconnaissance de l'autre. On reconnaît l'existence de l'autre, c'est pour ça que quand on se cache le visage, on ne permet pas à l'autre de voir son propre visage, on ne lui donne pas ce droit-là. Et ne pas serrer la main, c'est de la même chose ? En Europe, ne pas serrer la main, oui. Au Japon, on ne serre pas la main. Hein. Chaque nation a ses codes. Donc nous ne sommes pas dans les codes religieux, nous sommes dans les codes de société. L'entreprise étant une cellule essentielle de la société, il est difficile de travailler dans une entreprise et ne pas respecter les codes de société. Donc vous pensez que l'entreprise doit sanctionner, par exemple, un de ses salariés qui n'accepterait pas de serrer la main de ses collègues? Alors, je ne sais pas si on peut aller jusqu'à sanctionner, mais en tout cas, à l'évidence, la personne n'aura pas la carrière qu'elle aurait voulu avoir, mais de la même façon que l'homme ou la femme qui refusera de partager son bureau avec une femme ou un homme. Hein, la mixité aussi fait partie de la conversation sociale de l'entreprise qui est essentielle, qui est fondamentale. Ne pas respecter cette mixité, par exemple, est une atteinte à la démocratie elle-même. Est-ce qu'en France, on est plus résistant que d'autres pays européens à cette liberté religieuse ou à cette expression religieuse dans le monde du travail ? Il me semble que la France est en avance sur tous les autres pays. C'est-à-dire en avance ? Tout simplement parce que la laïcité française, l'idée de la cohabitation des cultes, l'idée de l'indivisibilité du peuple, sont des réponses à une mondialisation. Les États qui ont plutôt une philosophie communautariste ne répondent pas à la mondialisation. Ils ne font que vivre un repli communautaire. Et en fin de compte, ils tribalisent la société au lieu de la rendre, de la mondialiser. Merci d'avoir été fidèle une fois de plus à Tombée du Ciel. Cette émission est multidiffusée sur la chaîne parlementaire. Merci à Agnès Ravoyard, Jean-Michel Carpentier, Nicolas Maupier pour m'avoir aidé à préparer cette émission. À très bientôt.